Bonjour la VOD, nous découvrons Pokémon Violette. J'ai à peine de le lancer. Voilà. J'ai à peine de le télécharger même. Oh. J'ai mon bug de son. Bon bah le relance. Ça va sinon la VOD? Quel début incroyable. Déjà... Voilà, c'est bon, on y arrive. Le son du jeu est chelou, non? On dirait qu'il y a une sorte de réverb. Comme si je l'entendais en double. Alors, je prends qui, moi? Moi, je vais prendre... Elle est stylée, elle. On peut avoir un perso qui a plus de 9 ans et demi, mais ça n'existe pas dans Pokémon, enfin. N'importe quoi. Genre, les adultes existent. Mais que des infirmiers ou nos parents. Changer la coupe. Ah, je peux changer la coupe? Parce que là, je ne comprends pas cette coupe. Oh, ça peut pas changer en direct? Les macarons. Ah, t'es dread. Oh, la symétrie, je déteste la symétrie. Enfin non, j'aime bien, mais j'aime pas. Là sur le côté. Mais cette tresse a vraiment pas de sens. Ça me perturbe. J'imagine en fait le fait d'avoir une tresse qui pendoulait et qui tire un peu tes cheveux comme ça. Ah. Macaron, j'aime bien moi. On va prendre ça. On va prendre Yoline. Parce qu'on est dans Pokémon Violet. Oh bah elle est à Violet. Voilà, parfait. On part là-dessus du coup? Oui. J'ai pas changé son visage. En même temps, on va pas pouvoir changer grand-chose. Hein. Des paupières. Oh si, on peut changer un peu des paupières. Bien ça. Ah oh, si, on peut changer des choses, mais quelle personnalisation de gueudin. Moi j'aime bien les yeux jaunes. Les cils. Oh, je peux choisir mes cils. Allez, go. Oh, je peux choisir la couleur de mes cils. Oh, des cils dorés. Moi oh, je veux des cils blond platine. Oh, des cils verts. Parfait. Ensuite, les sourcils. Ça va pas assez vite par rapport à la vitesse à laquelle je vais. On va mettre Yoline. Ah oui d'accord, ça change énormément. Je peux pas faire ça? Je peux pas avoir une expression qui fait ça? Non, je peux pas. Let's go. C'est moi, j'ai choisi. Je fais B. Ouais, mon visage, il me convient. Une barbe rose. Mais je peux pas, sinon j'aurais mis une moustache mou, mais ils sont pas pubères. J'aurais voulu mettre une moustache et j'aurais voulu lui faire toujours cette expression. Mais j'ai pas pu. Désolée, je fais ce que je peux. Les yeux violets. Oh, les yeux violets. Hein. Oh, ça va, hein. Ouais, je paye NFR, hein. Non, les yeux jaunes, moi j'aime bien les yeux jaunes. Ça me rappelle un autre jeu. Ah bah je me demande bien lequel. Valoriser l'individualité. Bien l'individualité pour bâtir le futur. Bienvenue dans le monde des Pokémon. La musique est peut-être un peu forte.
Monsieur Clavel, proviseur de l'Académie Raisin. La région de Paldea est une terre riche à la nature luxuriante et avec un gros nuage au milieu. Ici vivent des créatures extraordinaires que nous appelons Pokémon. Des êtres fascinants présents dans des petites boules que nous capturons à chaque fois, comme ça, pour le fun. Oh là là ! Une petite boule de poils, ça faisait longtemps dans Pokémon. Dire un Pikachu, mais un peu dodu. On peut les trouver en mer, dans le ciel et même dans les zones urbaines. Nous vivons en leur compagnie au quotidien, dans une atmosphère d'entraide et d'amitié, et de soumission. À l'Académie Raisin, les cours offerts permettent d'approfondir les connaissances sur les Pokémon. Nos élèves viennent des quatre coins du monde pour apprendre et progresser ensemble. Comment ? En s'affrontant lors de combats comme Pokémon, bien sûr ! En envoyant leurs animaux préférés s'entretuer. Notre éducation a pour but de développer le potentiel de nos élèves au maximum. Même s'ils foutent rien que c'est les Pokémon qui font. Ici, vous ferez la rencontre de nouveaux amis de Pokémon. Hein ? De quoi ? J'aime beaucoup cette scène avec les bruits de pas, mais aucun bruit de voix. Genre, ils ont l'air tout contents, mais... Juste, il faut... Ça pique un peu les yeux, faut l'avouer. Je vais peut-être mettre en plus petit pour que ce soit moins pire. Ah, non. La qualité sonore est un peu dégueulasse, non ? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus dégueu que dans d'autres jeux. Le gros plan sur l'œil pas texturé, c'est quand même dégueulasse. Mais bon. On va dire que à vouloir faire des plans stylés, faut voir la tronche du jeu, quoi. Le son est pas fou, ouais. Ouais, la musique fait mal aux yeux, aux oreilles. Non, j'ai mal aux yeux pour d'autres raisons, mais pas pour la musique, mais voilà. Ah, les petits perroquets ! Les petits perroquets à la coupe afro, là. Bon, comme Pokémon Arceus, le jeu sera dégueulasse au niveau graphisme et texture surtout, machin. Mais j'ai adoré Pokémon Arceus, donc... Voilà, il y a d'autres qualités. Malheureusement, ils savent toujours pas faire des graphismes potables. Se lever. Le bureau est vachement trop haut. Mets un petit bottin sous les fesses. Ok. Bon, comme d'hab, on interagit avec tout. Votre penderie, elle est décorée avec des autocollants Pokémon. J'ai tellement 6 ans et demi pour faire ça. Les douillets qui sentent propre. Une peluchon gourmand. Elle est douce et de bonne qualité. Les étagères que maman a fabriquées elle-même sont bien rangées. Alors, c'est des planches de bois, quoi. Niveau fabrication, on a vu plus impressionnant, quand même. Limite, les fixer, c'est plus chiant que le fabriquer. Quoi. Coucou! Bon, petit moment où on va partir à l'aventure. Non, il va y avoir avant des petites aventures, quand même. Notre petit sac à puce habituel et notre maman célibataire habituelle. Coucou, mon cœur! Oh, tu portes déjà ton uniforme. C'est vrai que c'est ton premier jour dans ta nouvelle école. Je suis si contente pour toi. J'ai bien peur que tu dois faire preuve d'un petit peu plus de patience. L'école vient d'appeler pour te demander d'attendre ici. Apparemment, ils ont envoyé quelque chose de très important à tous les nouveaux élèves. Mais on n'a encore rien reçu. Oh! Quand on parle du loup-garoc, va vite t'ouvrir, c'est sûrement pour toi. C'est un Pokémon de cette génération, loup-garoc, ou il existait déjà avant ? C'est la première fois que j'entends. J'ai baissé pour vous. En fait, je crois que je vais augmenter un tout petit peu. Et baisser pour moi. Voilà.
pense là c'est ok. Je suis permis d'entrer. Ah oui, comme ça. Ah, c'est pas un livreur, ça. Cette mademoiselle Locke, je présume. Je suis sincèrement navré. Trop tard, non. Laissez-moi me présenter. Je me nomme Monsieur Clavel. Je suis proviseur de l'Académie de Raisin. Raisin, ça me fait penser à un restaurant dans South Park qui s'appelle Raisin. Et où c'est des... C'est comme le restaurant Boobies, là, ou Boobers, ou je sais pas quoi, aux États-Unis, mais version enfant. Donc en fait, c'est des petites filles qui servent à des petits garçons des plats. Et elles secouent leurs petits raisins. C'est South Park, hein, c'est pas moi. Vu que c'est pas souvent qu'il y a des trucs qui s'appellent raisins, à part le fruit, ça m'y fait penser. Le proviseur, vous êtes venu personnellement chez ma fille ! C'est la moindre des choses, le proviseur est le premier responsable des bevues de son académie à Bredou. Mais déplacé, il fallait pas le blabla. Allez, on a le blabla. Avec le proviseur qui vient personnellement chez nous et qui entre avant même qu'on lui demande de rentrer, je trouve ça un peu gênant. On parlait du restaurant Hooters. Ah, Hooters, ouais, c'est ça. Allez, il y a le raisin. Dans South Park, il y a... Oui ! D'accord, dans South Park, il y a le restaurant Raisin. Mon chat me miaule. Ce sont des choses qui arrivent. Allez. Oh non, mais il s'installe et tout, ça y est, j'ai un nouveau père. Je dois être avec. Ouah, t'avais lu le mot avec un V, mais... Ça arrive, Bibok, là. Mon prix, faites comme si c'était pas la montée dans votre chambre. Ouais, bah, tu me donnes pas d'ordre, déjà. C'est pas mon père. Oh, tu débarras. Je veux ne pas l'ouvrir. Bon. Je peux courir? Non, je peux pas. J'ai pas encore les chaussures qui courent vite. Ah, d'accord. Ça, c'est les paramètres. Ok. C'est bon, j'ai des chaussures immenses. Ouais, c'est ça. Mes pieds font la taille à peu près d'un tibia, en fait. Ils sont immenses. À vue de phalange, là, comme ça, en mesurant comme ça, c'est un tibia. Ah oui, c'est ça, mes affaires. Je peux pas interagir ? Si, voilà. Vous pouvez enfiler votre sac et votre chapeau ? Oui, je pense que je suis prête. Ouais. À ça, je suis prête. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas ce chapeau. Ne dis pas trop de bêtises, tu es projeté sur l'immeuble d'en face. Ah oui, c'est vrai. C'est ça que tu m'as dit que tu mettais le vidéoprojecteur chez ton pote. Je fais coucou. Je le dis au cas où. Mince, j'ai pas lu, mais c'est pas grave. Let's go. Je veux courir. Oh, ça m'énerve, je peux pas courir. Fils d'un enfant en pleine adolescence, là. Enfin, en plein enfant. Enfin, bref, je suis un préado, j'ai besoin de courir. De la fin, prête, on va mettre des gaz. Une femme fait la fierté d'un triple avissement, machin. Oh, mais où avais-je la tête? La tête. La tête oubliée de vous confier le plus important. Dormir à l'extérieur, excusez-moi. Je vais choisir déjà mon starter, vous pensez? Oui, mais arrête. Ah, maman, tu fais chier un peu, là. Laisse-moi tranquille, maman, là. Vas-y, là, pas devant les gens. Maman. Alors, faut savoir qu'il y a un petit logo de chargement derrière ma caméra. Pas derrière, voilà, le cadre que vous voyez ici. Et c'est simplement une boussole. C'est pas un petit Pokémon. Je sais pas, je trouve ça trop basique. Ici bien et bonjour, merci. C'est vrai que je lis très bien quand je lis ce qu'il y a écrit. Ah, montrez-vous! C'est les Pokémon! Merci les Bloody Rabbit Shoes!
Chaque nouvel élève de l'Académie Rose a un Pokémon de la tradition. Je vais donc vous demander de choisir votre premier partenaire parmi ces trois-là. Poukacha, le Pokémon Chaplante, un Pokémon d'une originalité folle. Bonsoir. Chocodile, Pokémon Croque-au-feu. Il voit des choses qu'on ne voit pas, Chocodile. Et Coifton, un Pokémon Coifton. Cela pète un petit peu. Le chat. Le chat te va au poil. Évidemment pas. Évidemment pas. Évidemment pas, en fait. Observez donc, il ne vous lâche pas d'une somme. Oh, en vrai, je veux les trois. Mais j'aime beaucoup le côté complètement chelou, ahuri de Chocodile. On va vraiment défoncer perso. Moi, je sais déjà ce que je vais prendre. Daffy Trump bleu. Daffy Trump. Allez, on va faire un petit poll, tiens. Je vais pas le suivre en vrai, parce que je sais déjà lequel je vais prendre. Si vous connaissez un peu la chaîne, vous vous doutez duquel je vais prendre. Mais bref. Paul. Lequel, wesh? Le chaud. Le croco. Voilà. Alors, excusez-moi. Le croco ahuri ou le... Tu disais quoi? Le Daffy Trump. Je laisse 3 minutes. La réponse des tous. Mais de toute façon, on va être obligé de faire une collection. On va pas avoir le choix. Donc je pense qu'en vrai j'ai le temps. On va... Ah, tu peux voter, hein, Wendy, si tu veux. On a pour l'instant une parfaite égalité entre les trois. Devant ma pelle. Bonjour, Nimo, là-bas. Profitez du temps pour réfléchir. C'est une décision qui ne doit pas être prise dans l'air. Bye bye, ciao. Profitez de ton école, il est vraiment très boli. Va-t'en, maman. Arrête de me suivre, maman, là. Si tu as le temps, pourquoi ne pas te balader avec eux? Là, tu apprendras peut-être plus sur les Pokémon. Une dernière chose. Maman t'a acheté un petit cadeau. Et maman parle d'elle à la troisième personne comme si j'avais 4 ans. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Les parents qui parlent d'eux à la troisième personne à leurs enfants assez jeunes. Genre un enfant de 2 ans, voilà, un truc comme ça, 1 an, 2 ans. Oui, bah maman, elle est occupée. Maman, elle peut pas, maman. Ça, j'ai pas compris. J'entends très souvent, notamment au taf, par exemple, les mamans... Et les papas aussi, mais je vois surtout des mamans qui vont parler d'eux à la troisième personne. Je comprends pas. On peut voter 1000 fois, on peut voter 1000 fois un Pokémon, mais on peut pas voter 1000 fois 1000 Pokémon. Un Motismart. Et oui, j'aime pas du tout le fait que les objets de la vie quotidienne soient aussi des Pokémon. Ça m'a toujours dérangé parce que je me dis mais c'est encore plus horrible comme vie que pour les autres Pokémon. C'est-à-dire leur vie, c'est littéralement d'être dans la poche de ton... De ton jean dégueu toute la vie, quoi. Dans la poche arrière, collé à ton fion. Toute leur vie. Oh non, je suis une gamme, Clarks. Smartphone dernière génération dans lequel il y a un Pokémon dedans. Puis sur le grec. Ok. Allez, c'est pas maman. Va-t'en, maman. C'est pour qu'ils associent le rôle de la personne. Hein, de quoi? Qui associe quoi à qui, quoi, hein? Rien compris.
Salut voisine. Hein? J'ai fait sac? Attends, je fais sac? Ah non. J'ai fait B au lieu de faire A. Yo mon Montisma. Je comprends rien ce qui se passe. Ah voilà. Y'a pas un raccourci sur mon oui. Pas maintenant, Lox. Bah, tu me le donnes maintenant, je vais pas utiliser, bah super. Salut la voisine. Je veux pas. Arrête. Ok. Regardez lui, il est toujours en train de. Ah, il est trop drôle. Regardez ça. Je sais pas ce qu'il regarde, mais ça a l'air génial. Les autres, ils sont normaux, ils te regardent, ils s'attendent, ils font des trucs, ils se lient. Ah, j'aime beaucoup trop. Je vais aller dans les paramètres parce que j'ai l'impression que la sensi du joystick, elle est affreuse. La musique moins forte, effet sonore beaucoup moins fort. Sauvetage activé. Ah, d'accord. Oh, je peux pas. Je peux pas gérer la sensibilité des joysticks. Oh, désactiver les surnoms, ça me gonfle. Oh mince, à chaque fois je fais B, mince, c'est là la. L'habitude de jouer avec la manette d'Xbox. Non, bah non. Non bah c'est chiant, je peux pas régler la sensi et on est d'accord que aucun de mes paramètres. Oui d'accord. Ah ok, c'est parce que j'ai fait B. Ok. Maman a le cerveau grillé à force de gérer les mioches. Parents qui disent maman ou papa. Ah oui, oui, c'est ça. Maman ou papa est occupé. Je sais pas. Pour qu'ils associent à la personne. Ouais, peut-être. Hein. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que ça se fait tellement par réflexe. Est-ce que les parents réfléchissent vraiment à ça? Je visite un petit peu. Ils me suivent les machins? Bon, bah le chat il est abandonné. Il est give up direct. Oh, dommage que ce soit si laid, hein. Punaise. J'aime bien l'idée, la manière dont les décors sont agencés, mais c'est moche, quoi. On se prête déjà, trop bien. J'essaie de courir, mais je peux pas. Hein. Je vous promets, mais j'essaye. Oh, j'ai la carte. Ouh, Motismart est un outil régulier, particulièrement, pardon. Motismart, à chaque fois je dis Mar. Que la plupart des habitants de Paldea utilisent. En installant des applications, vous aurez accès à une grande variété de fonctionnalités. La carte vous permet d'obtenir de nombreuses informations sur la région de Paldea. Stick droit lorsque la carte est ouverte pour orienter. Ok. Stick gauche afin de déplacer la loupe. A pour choisir une destination. Les taxis volants. Ah oui, d'accord. Vous permettre de rejoindre en un instant certains endroits que vous avez déjà visités auparavant. Les endroits accessibles sont indiqués par une marque en forme d'L. C'est quasiment le symbole de la police fédérale à Bruxelles. Quasiment. Vous mettez ça un peu plus à la verticale et c'est ça. Enfin, à Bruxelles, en Belgique, quoi. Ah ouais, j'ai mon petit. Ah bah, c'est pile poil où je suis, merde. Attendez, je vais bouger. Voilà. Bah, pourquoi ça coupe un peu? Pour vous, dis donc. Je me rendais pas compte. Ah ouais, les bords sont coupés. Désolé, j'avais pas vu. Ah ouais, depuis tout à l'heure en fait. Depuis tout à l'heure, c'est un peu tronqué partout. Désolé. Trop désolé. Voilà, c'est better. Ça m'indique les Pokémon qui est sur la carte du coup. C'est quoi le machin là? Là, il y a un Pokémon là. Oh, le Pokédex, il me dit que je suis sur un Pokémon maintenant. Et là, je le suis plus. Alors que j'ai vraiment très peu bougé. Je comprends rien à cette carte. Pourquoi quand je fais ça, ça bouge beaucoup trop?
Non mais un truc qui va pas là. Mais je comprends rien. Attendez. Vous voyez la petite carte là-bas? Là je bouge, j'ai, d'après eux, un Magikarp pas loin, genre en face. Je tourne le Magikarp, je tourne juste la tête, le Magikarp il est en plein milieu de l'océan. Qu'est-ce que c'est que cette indication de merde? Je comprends pas, bref. Je comprends vraiment pas cette carte, j'aime pas du tout ce type de carte avec des immenses symboles qui sont tellement gros qu'en fait t'as aucune précision. Bon, en tout cas on va arrêter. On va arrêter le suspense. Et je vais prendre évidemment le machin. Mais je peux pas le choisir en fait là. Il fait du bruit. Ah c'est les petits perroquets. Ah ouais mais lui vraiment il est fan d'un truc là-haut. Sauf que les oiseaux ils sont ici exactement. Du coup ils regardent pas du tout dans la bonne direction. Quel machin. Vous verrez. Je sais pas comment le choisir en vrai. Ah. Oh comment... Oh comment le chat il est parti. Des fois je... Mais il y a un souci là. Parfois je suis en face d'un Pokémon et je ne peux pas interagir avec. Et là je suis très loin et je peux. Là j'étais en face du canard. C'est le chat qui interagit. Oh, mais ça va pas du tout hein. Techniquement, le jeu... Regardez! J'essaie d'interagir avec le canard! Dégage! Je spam A, hein. Là, je suis... Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais il y a vraiment un souci, il y a des bugs, je ne sais pas. Ah, je peux pas. Le canard, je peux pas. Allez! Ah ça y est, enfin! Wouah, bon, j'imagine qu'il faut que j'aille là-bas. C'est Nerly, mais on dirait, hein. Non, vraiment, là, va falloir qu'il fasse un petit... Il fasse quelque chose, là. Kouchayaya! Oh, je peux courir! Joli, ici! Kouchayaya, c'est une bourgade sans prétention. C'est super. Ouais, je cours. La technologie, c'est un truc de dingue. Ouais, l'internet et tout, c'est fou ce qu'on fait maintenant, quoi. Une fois, j'ai reçu un courrier, mais genre sans papier. C'était électronique et tout, c'était fou. Dedans, il y avait un chien qui pétait. Salut, Gaël. Combien le jeu? 1000. Ça dépend comme d'hab. 60 si vous l'achetez en démat. Enfin 59 et quelques. 45 si vous l'achetez en matérialisé. Et Dilo qui joue aussi. Je vais mettre mon petit truc là-haut. Dilo qui vient de le lancer. Ça va faire mal loup, hein. Salut petit grisou. Salut SN. Vous voulez qu'on refasse le sondage pour savoir lequel je prends? Grâce à un tif de Gilo. Ah ouais? Bah pourquoi? Ah c'est que du coup t'as vu sur Twitch, t'es allé et tu as vu que c'est là aussi. Je comprends, je comprends. Ah, t'es une nouvelle dans le coin, je me trompe, hein. Ouais, bien avoué que je vous attendais pas si tôt. J'habite littéralement 5 mètres et j'ai marché très lentement pourtant. J'ai fait le tour de ma maison aussi et j'ai râlé. Monsieur, mais alors c'est à...
Présente-moi Mademoiselle Lux, elle va rejoindre l'académie dès aujourd'hui. Je fais pas les voix avec ma go auxiliaire, sinon ça prend 15 piges. Ah mais bien sûr, c'est toi qui as emménagé dans la maison en face. J'avais super hâte de te rencontrer. Je m'appelle Mandy. D'habitude, j'habite sur un camping de l'école, mais bon, c'est quand même ma nouvelle voisine. Alors devenons amis, d'accord? Non. Oh, tu sais parce que t'es timide. C'est moi qui parle trop fort. Mademoiselle Mandy est la déléguée des élèves de l'académie. C'est également une dresseuse émérite de grand maître. Oui, j'adore les combats avec Pokémon, c'est vraiment actuellement fatin. Amitié RIP. J'aurai tout le loisir de vous affronter plus tard, puisque vous serez dans la même classe. Alors, je suis dans la classe d'un maître Pokémon. C'est chelou un peu, non? C'est un excellent moyen de faire plus ample connaissance. Vraiment, on va aller dans la même classe, hein? Oh, super, on pourra combattre quand tu veux. Sur ces bonnes paroles, mademoiselle Lux. Avez-vous choisi le Pokémon qui sera votre partenaire? Les planches avec le décor flou, par contre, c'est compliqué. Ah ben, les zooms avec le décor flou, c'est aussi compliqué, hein. Vu ça avec la voix que tu fais, je la déteste. Oui, j'avoue, j'aime beaucoup faire une voix super nulle à chaque fois à notre adversaire. À chaque fois. Est-ce que vous voulez revoter pour... pour le Pokémon que je vais choisir, même si en fait, en vrai, tout le monde sait lequel je vais choisir, on est d'accord. C'est la logique. Non. Ok. C'est la logique. Et choisis ton canard bleu. Oui! Non mais je suis pas... Hey, Team Albatros, je n'ai pas le choix en fait. Je n'ai pas le choix. Oh putain, les... Oh, les ombres. Choisis canard WC. Imitation de foireuse du succès dans FF. J'ai oublié le nom, la musique que ça fait. Bon, moi j'ai que dans Zelda et j'ai oublié la musique que ça fait dans FF, dans Final Fantasy, parce que j'ai jamais fait un. Je connais un petit peu les bruitages, mais sans plus. Ah, je sais pas. Et pour ça, faut interagir avec lui, un vrai challenge. Oui, c'est vrai que j'y arrivais pas. Mais ça, c'est le jeu, ça. Quoi? Il dit quoi? Faire? C'est quoi ce ton? C'est un type. Oh! Il est quand même comme un ruisseau, mais on peut éteindre n'importe quel feu avec une seule vague. Ah non, moi, c'est Clavel, c'est l'autre. C'est le vieux. Choisissez-vous quoi, ton le type? Oh! Oui! Quoi, faire? Mais choisis quoi, ton. Je vais donner un surnom, coiffe ton. Non. Donald Trump. Non mais... Pourquoi Donald Trump? Parce qu'il y a juste une petite mèche sur le côté, bordel, arrêtez! Oh, il est sur mon épaule! Oh, il est mime. Il est mime quand même. Il est mime. Par contre, il n'y a pas de musique. C'est un peu gênant. Puis il y a un bruit d'eau, mais il n'y a pas de fontaine. Peut-être ma vessie. Coiffeton semble déjà vous adorer. Oui, bah oui, on n'a même pas réussi à parler, mais c'est pas grave. Prenez bien soin de votre premier Pokémon, entendu. À ce propos, vous devez le mettre dans un objet que l'on appelle Pokéball, c'est indispensable. Mais pourquoi en fait? C'est dégueulasse! Ça fait tan. Oh, j'ai pas. Ah, j'ai plus. Pourtant, je vois très bien la scène et tout, mais j'ai pas là, j'ai plus la mélodie en tête. Là, ça a l'air comme ça, t'as choisi quoi, non? Ah ouais! Clavel, mon choix! Je trouve que vous avez super bien ensemble! Monsieur Clavel, hein? Je peux en choisir un, moi aussi? Voyons, mademoiselle Mandy. Avez-vous pas déjà reçu un Pokémon lors de votre premier jour? Bien non! J'avais déjà un autre Pokémon dont je voulais m'occuper à l'époque, donc je n'ai jamais reçu. Mais pourquoi je voudrais repartir de zéro et entraîner un nouveau partenaire en même temps? Quelle lâche! Votre dévotion est doute à votre honneur. Je serais ravi
Oh bah tiens, je rappelle l'égalité avec l'axe. Youpsiam. J'arrête. Je fais n'importe quoi. Allez, merci. Bah oui, du coup, elle choisit le Pokémon feu, forcément. Il a fallu juste le début. Et j'y arrivais pas, mais merci. Voilà, je l'avais plus en tête, ça m'énerve. Lox a choisi quoi, ton? Alors moi, je vais prendre le feu, parce que je suis pas logique. Ravie de te rencontrer, Chocodile. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Ah, du coup, elle prend le feu. Moi, je prends le où? Choco, hein. Non, ça... j'inverse les voix. Bon. Maintenant qu'on a nos partenaires, faut absolument qu'on se fasse un combat. Je t'attends sur la plage, j'envoie Jean mal à la main quand tu seras prête. J'ai un super bikini. Mademoiselle Mendy possède une passion débordante pour les combats Pokémon. Acceptez donc son défi. C'est un très bon moyen de renforcer vos liens avec votre Pokémon. Oui. Il y a d'autres moyens, genre le caresser, lui donner à manger, le nourrir, enfin lui laisser le temps de respirer alors que j'ai à peine de choisir de petits trucs comme ça, quoi. Ok. Avec les soins auto, les objets de votre sac seront utilisés automatiquement pour soigner vos Pokémon. Ah non, je ne veux pas. Placez le curseur sur le Pokémon que vous voulez soigner automatiquement, appuyez sur le bouton moins. Potion, bouteille d'eau, soda, super potion, limonade, bouteille, hyper potion. Non, je veux vraiment pas ça par contre. Je veux gérer mon truc moi-même. Bande de fous. C'est bon, au bout d'un moment, je laisse le jeu jouer, hein. Ah si, je l'ai pris. J'ai pris mon Pokémon. Regarde, c'est coiffe-t-on. Moi, j'aurais bien aimé de sortir de sa Pokéball qui se balade avec moi, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va se promener avant. Toujours pour le dernier Pokémon qui finit tout seul, filez-le moi, je vais m'en occuper. Mais oui, c'est trop triste à chaque fois, effectivement. Il devrait y avoir trois personnes et les trois choisissent un Pokémon. Et comme ça, tu dois les affronter tous les deux, ce serait intéressant déjà. Il y en a un où tu serais forcément désavantagé. Mais oui, moi aussi, surtout qu'en plus, ça c'est le petit chat. Et en vrai, le petit chat est adorable. Hein. C'est juste qu'il est très classique et que bah il y avait un oiseau qui ressemble à un albatros. Bon, pas vraiment, c'est un canard, mais c'est ce qui te rapproche d'un albatros. Alors, j'étais obligée de le prendre. Quel mystère. D'où peut venir toute cette poussière? Voilà un mystère aussi étrange que celui qui entoure les Pokémon. Ah. Mec, t'es chou. Je regrette, mais les propriétaires se sont absentés. Putain, il y a plein de... C'est des pastirsous, c'est ça? Finir ton animation, c'est trop long. Ménage, tout est nickel chrome. Ah, la sensi est chelou, hein. J'aurais bien aimé pouvoir la changer quand même. Oh là là, toi, je t'aime bien, toi. Ouais, bon, interagir avec vous, ça va rien me rapporter, j'ai compris. Par contre, lui, il a une couleur différente d'habitude, non? La petite limace chelou, là. Bon, je me sauve. Je suis sûr d'y jouer après le petit chat, bah il est beaucoup trop mignon. Ce serait logique. Il est dégueulasse, hein, le... Désolé. Mais bon. Ah, ils ont fait une arène Pokémon sur la plage qui était déjà vachement vide. Bon, bah allons-y. Sur Switch en portatif, ça doit être un peu mieux. Apparition! À partir du moment où on a un partenaire Pokémon, on devient un dresseur. Et un dresseur, ça fait combattre ses Pokémon pour qu'ils deviennent plus forts. Nox, t'es prêt pour le combat, hein? Oui. Même si tu t'enchaînes tes phrases bizarrement. Super! On va enfin passer au jeu sérieux! Bon, quel Pokémon tu vas me dire? Bah ouais, toi t'as le choix, ça se fait pas! Mademoiselle Mandy. Bah oui, choisis le nouveau là, enfin! Manque de cubes ce jeu. Oh, pas tant, hein. On a peut-être un peu trop, plus que dans Minecraft.
Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord qu'il pourrait faire un troisième perso qui choisirait le dernier Pokémon. N'oubliez pas que Lox débute tout juste dans le domaine. Oh, vous faites bien de me rappeler, j'ai failli envoyer mon meilleur Pokémon. Mais quelle pétasse. Non, mais ça se fait pas, quoi. D'où elle vient de dire à l'instant, je vais progresser en même temps qu'elle. Non, Sky, je vais envoyer celui que j'ai choisi tout à l'heure pour son premier combat. Allez, combattons, Lox, y'a un d'elle pour progresser. Hein. Regarde les ombres, les cubissons. Ouais, non, y'en a beaucoup, là. Mandy, la dresseuse, veut se battre. Mandy, la dresseuse, envoie Chocodile. Question, go! Go! C'est ton premier combat avec Pokémon, j'espère que ça va te plaire. Bon, je dois avoir une attaque. Écrase, face, rugissement, pistolet à eau. Bah, évidemment, elle a pris le feu. Vas-y, super efficace. Oh ouais, c'est ça, type. Oh, c'est plus fort contre le feu. Je connais bien les bases. Tu connais bien les bases. Regardez au sol aussi, il y a plein de cubes. La caméra qui pète un câble. Tu te débrouilles bien. C'est dur. Attaque GS. GS pourquoi? Donc je ne jouerai pas à ce jeu, jour de la sortie. J'achète 10 minutes plus tard. Mais il est dégueulasse le jeu, exactement. Mais il est dégueulasse, je savais. C'est juste que bon, bah forcément, je m'y suis pas encore habituée. Ça alors t'as gagné, c'est ton premier combat, t'es super doué hein. Tu vas devenir une dresseuse hors pair, ça je le garantis hein. Parce qu'on est là, si on va bien tenir notre stratégie, on joue vers notre combat. Ah. Avec le petit chou. Je pense que Lox et Coif ont besoin de reprendre des forces. Oh, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. C'est pas Twitch friendly d'où le GS. Ouais mais alors là... Au bout d'un moment, les acronymes, moi je sais pas ce que c'est. Hein. Pardon Lox, désolé quoi, non. Pas besoin de t'excuser, on est dans un bizarre. Tu peux compter sur moi. Vous venez à peine de vous rencontrer mais je constate que vous entendez à merveille. Oui bah oui, j'ai beaucoup parlé moi en tout cas. Mademoiselle Menzi, compte sur vous pour guider notre jeune ami. Elle a tout à apprendre, une dresseuse de nanana. D'accord. Mais au fait, là, j'ai un truc. Ah non. En fait, là, j'ai un truc pour toi. Ça devrait t'aider pour débuter. Hein. Si une appli, t'as un téléphone. Hein. Vas-y, passe-moi ton Insta. Vous pouvez maintenant ouvrir le Pokédex dans votre Motismart. Appli Pokédex enregistre automatiquement tous les Pokémon que tu captures. C'est notre prof principal, monsieur Jack, il a développé. C'est une appli super pratique. Tu vas en avoir besoin si tu veux devenir une vraie dresseuse Pokémon. C'est gauche ta race. Un rapport à une pratique adorée de Trump. Attraper les nanas par leur chatte. J'ai que celle-là en tête. Bon, je suis content que tu fasses Pokémon même s'il est nul à chier. Oh putain le compliment. C'est pas mon style, je suis plus 3G et 4G quoi. C'est très bizarre comme... C'est très bizarre comme manière de d'être content. Je suis trop content que tu fasses un jeu pourri. Très bizarre, Gachetus. On tente de bien rédiger notre Pokédex à la main dans les cahiers. Je dois avouer que la nouvelle technologie rend ma vie bien plus facile. On va y écrire à la main? Mais ça existe encore ce truc. Je suis un boomer. Allez, j'avance un petit peu vite. Attention, le Pokédex il va se remplir parce que vous croiserez des Pokémon.
Mmh. Donnez m'entretien avec vos parents. Mais que du beau doux. Allez. Mouah, le petit chaton, il est trop mimes. J'aime les combats plus que tout, mais c'est vrai qu'un petit repokinité ça compte aussi, même si c'est bon, un peu pas. Ouais. Là, je me sens un truc. T'as pas encore capturé Pokémon sauvage, j'imagine. Je vais te montrer comment on fait. On ira à l'école après. Allez, suis-moi. Elle me drague à fond. l'appli moins. Combattre et attraper les Pokémon pour remplir le bibliothèque. La bibliothèque, le Pokédex du coup, ou autre chose. Les Pokémon attrapés figureront sur la tranche des livres. Appuyez sur X depuis l'écran de la bibliothèque pour voir les récompenses. Quoi ? Lorsque vous consultez le volume dédié à une espèce de Pokémon, pour voir son habitat, cela vous aidera à la trouver. Partez à l'aventure dans différentes zones et essayez de rencontrer un maximum de Pokémon. Ah oui, d'accord. Salut, Yernaël. Bon, je fais Y. Voir Y. Ah non, je fais X. Quel nulos. Je confonds. Je peux zoomer ? Ah non, je suis à fond. Oh, on peut zoomer que comme ça ? Je sais pas beaucoup. Bon, on va aller là-bas. Approximativement. Ça manque de musique, là, un peu. On va regarder de loin. Je trouve que c'est moins pire. De très loin, en plissant les yeux, c'est moins pire. Oh non ! Mais maman, vas-y, dégage là. Alors comme ça, même si t'es compagnie à l'école, d'où tu connais? Oui madame, là c'est un trait de bonne main, vous pouvez compter sur moi. Autant que tu sois déjà fait une bonne amie. Non mais va-t'en maman, t'es la honte un peu là, en plus t'es en tablier bordel. Le prospectus de l'école tout à l'heure, apparemment les enseignants, ils sont tous plus remarquables les uns que les autres. Bah ça te fait peut-être te renseigner avant de m'y envoyer, ça aurait été bien. Tu vas pouvoir profiter de tous les équipements à loisir. Merveilleux. Avec Mundi à tes côtés, il va se passer des trucs. Hein. Écris foi de ta maman, non? Là, quand tu plairas sur Grimpus, mange équilibré, attention. Voilà un sandwich. Maman, faut que tu trouves un mec. Hein. Allez. Allez, Popo. Ça, c'est déjà mieux. Déjà mieux. Allez, non mais va-t'en, maman! Faites bien attention sur la route. Les cheveux assortis au short. Oui, c'est vrai, c'était pas fait exprès, mais j'ai pris la version violette, alors j'ai fait les cheveux violets. Allez, gentil, ta mère! Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Au fait, je devrais te montrer comment capturer des Pokémon. Hein. Et ben, on y va! Ça c'est clip, mais y'a pas matière. Allez, on avance ah. Voilà. Allez. Viens la gâton. Oh non, il me suit pas vraiment. Triste. Kushayaga. La route de Kushayaga. Regarde là, c'est la route de Kushayaga. Ah ça c'est cool, j'aime toujours les jeux Pokémon comme, enfin maintenant ils le font beaucoup, où vraiment tu les vois. C'est trop ce que commence notre aventure. Quand on guide la vie, on pond d'aventure sur les chemins. Ou dans les hautes herbes,
On peut trouver des Pokémon sauvages un peu partout, hein. Mais faut faire attention, car quand on s'approche de trop près, ils nous attaquent. Mais t'en fais pas, avec Coiffetant à tes côtés, t'as rien à craindre. Pour capturer un Pokémon, hein, je suis sûre que tu sais ce qu'il faut. Tiens, une petite bonne... Je t'en donne quelques-unes, t'en fais pas, j'en ai plein. Ok. Oh, un petit cochon qui pleure. Gougou. Ah, tu tombes à pied de toi. Passe à la pratique, là. Vas-y. Éclate-tu la gueule. Ok. Avec X. Si vous avez du mal à attraper un Pokémon, infligez des dégâts avant de lancer un Pokémon, augmentera vos chances de succès. Ah, mais les niveaux 3, faut que je fasse gaffe, moi. On va voir écrase-face. Ça va. Il fait un petit twerk. Ah, mais vous voyez pas la vie de mon Pokémon? Faudrait que je me mette ailleurs. Voilà. J'aurais pas trop gêné, là. Du coup. Alors, attends, le raccourci, c'est X. Je vais essayer d'y habituer maintenant. Ah bon, on le voit en gros, en plus. Je fais un effort, là. Gros potentiel de détournement, par contre, ce jeu. Mais beaucoup de jeux Pokémon, effectivement. Mais celui-là, il commence bien. Oh, toi, il est trop bien coiffé en vrai. Mmh. Gourmelet. Donnez le gourmelet en tête ajouté au Pokédex. Il ne mange que des mers raffinées. Son corps dégage une odeur d'herbe que les Pokémon insectes exècrent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'une odeur d'herbe dérange les Pokémon insectes. Je comprends pas. Un surnom gourmelet. Non, mais j'ai dit, il s'est désactivé le surnom, faut que je le désactive. Dommage que ça fait soigner des yeux. Tu m'étonnes, ça fait saigner des yeux. Mais bon, c'était comme ça dans Pokémon Arceus. Hein. Ouais, t'as réussi du premier coup. Tu t'es brûlé super bien. Faut que tu m'apprennes des techniques parce que moi, je suis pas trop loin. Hein. Bah, mettre un Pokémon qui sait pas attraper des Pokémon, quoi. Tiens, prends des Pokéballs, hein. Il vaut mieux en avoir plus. Oui, c'est vrai. K.O. tu et capture pas sur le coup. Oh merci, punaise, elle t'admet bien. Hein. Tu peux te donner un conseil. Affaiblis les Pokémon avant d'essayer de les attraper. C'est ce que j'ai fait. Sur ce, je vais te laisser à t'entraîner à combattre et capturer des Pokémon sauvages. Tu sais, tu sais. Allez, je retourne là-bas, bisous. Hein. On se capture Insta. Afin de lancer un combat, vous pouvez également lancer une Pokéball en direction du Pokémon sauvage en appuyant sur ZR. Essayez cette technique afin d'affronter les Pokémon qui volent, qui sont perchés. Ouais, mais je gaspille une Pokéball comme ça, non? Déjà ici, ça brille. Oh ouais, et puis il est laggy aussi, hein. Je regarde même pas ce que c'est, juste je loot. Rappel ! C'est bien, ça coûte cher les rappels. Je vous rappelle que ça coûte cher. Ok. On a fait un petit peu le tour du truc. Ah, là-haut ! Est-ce que je peux aller là-haut ? Ouh ! Plein d'énergie. Les bonbons, j'ai jamais utilisé dans aucun Pokémon. Pokémon Go, éventuellement. À chaque fois, je les accumule et je les utilise pas. Ou à peine. Popo. Petite popo.
On va capturer un petit peu. Alors, je vais tester la technique de... Non. Tranquille. La technique d'envoyer le, la Pokéball. Boule. J'aime bien ce nom. Je pense que je vais le tuer. Non, ça va. Ça va, ça va. Comment ça se fait que mon coiffeton est full? Ah, ça doit être l'autre qui me l'a mise full. Même la Switch, elle pleure là. Mais la Switch, en vrai, elle... ouais, c'est... Comme je dis, elle peut faire mieux hein, si on a des devs qui savent un petit peu optimiser le truc, rendre bien certains graphismes. Enfin voilà, c'est con, on prend tout cet exemple de Breath of the Wild, c'est pas pour rien. Hein. Non, alors je vais désactiver ça, je donne pas de surnom. Tissamboule, il est déjà génial son nom. Alors attendez. Retour, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Ils veulent me taper tous. C'est où les paramètres? À chaque fois je galère. J'étais là. Et j'ai appuyé deux fois. Voilà, c'est très chiant. Elle est pas puissante, mais elle peut sortir de très bons résultats. Ouais, c'est ça en fait. C'est que bah forcément, ça demande un petit peu d'imagination. Enfin, d'imagination. Ça demande un petit peu de triche technique. Mais il y a des jeux qui s'en sortent bien. C'est pas le cas des jeux Pokémon. Mais bon, je rappelle que les jeux Pokémon, c'est pas Nintendo qui les fait. Et je pense que c'est un peu lié à ça. Parce que les jeux Nintendo purs en général sont pas dégueux. Hein. En général. Tous les Mario ou... Tous les Mario ou les Zelda, enfin bon les Zelda il y en a qu'un pour le moment, un vrai fait pour la Switch, rentre bien. Hein. Ça rend pas bien. Je regarde un petit peu ce qui me manque en Pokémon. J'ai l'impression que les cochons ils veulent me poutrer un petit peu là, ils m'attendent, ils veulent se venger. Je me sens légèrement observée. Ah oui, je peux m'approcher en douceur. Mais il y en a qui ont des couleurs différentes, non? Regardez celui de là. La tronche marron, et celui-là là-bas j'avais l'impression que c'était jaune, mais j'ai peut-être trop cru moi. Elle devait pas se barrer elle, tu devais pas t'en aller. Pokémon sont fatigués, je vais soigner. Ah d'accord, reste là pour les soigner. Ok d'accord, bah c'est sympa, merci meuf. Regardez, ils m'attendent. Franchement, ils veulent se venger. Ah non, c'est les petites oreilles qui sont jaunes. Ok, j'avais vu d'autres bébêtes. On va aller voir d'autres bébêtes. Là-haut. Ah bah non, c'était pas d'autres bébêtes, c'était aussi les araignées. Ou alors peut-être que ça... Ah! Let's go. Ah, j'ai bien raté. Attends. Ah. Comment tu as appelé ton canard? Mais moi je donne pas de surnom Pokémon, je trouve ça chiant. J'ai jamais fait. Je trouve ça vraiment lourd. Hein. Tu mets un petit pistolet à eau, ça le tue ou pas? Non, ça tue pas. En plus, c'est pas très efficace. Donc ça tue pas du tout. Ah, par contre, il peut pas bouger. Écrase face. Ça, par contre, ça va piquer un peu. He's ok. Ah là là, pas de surnom. Mais non, mais c'est insupportable les surnoms en fait. On va faire la blague de l'appeler canard WC comme tous les gens très très drôles et puis ce sera génial quoi. Ah non, je comprends pas, hein, les surnoms ça me gonfle. Rien qu'écrire un truc sur la suite, c'est chiant. Petit connard, oui voilà. C'est vraiment très très drôle, mais du coup, bah vous ferez ça sur vos parties. Hein. Parce que moi non. Je non.
Daffy Troops. Je ferais bien Pex, mon gros cochon, là, pour voir un petit peu comment il évolue. C'est sûr qu'il évolue. J'ai oublié, juste, j'ai déjà vu. Cranivol. Mais j'ai désactivé les surnoms! Je veux qu'il arrête de me demander, en fait. Je pensais que le truc afficher les surnoms, bah, ça ferait qu'il arrêterait de me demander. Ça n'a pas marché? Désactivé. Pendant les combats en réseau. Ah, d'accord. Ah oui, mais non. Ah, saisie du surnom à capture. Je me suis trompée. Voilà. Là, c'est bon. J'ai en 10 minutes à trouver un bon nom à mon Pokémon. Après, je meurs dans le laboratoire contre mon rival et je reset. Voilà. Bah du coup c'est peut-être trop bien, mais voilà, moi je prends pas ça. Désactivation qui désactive que dans les LC. Non, c'est que ça désactive les surnoms des Pokémon quand tu fais des combats en ligne. Ce qui peut être pas trop mal parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de la même... Vu que dans Pokémon, quand tu combats, t'as pas de chat. Je pense qu'il y en a qui se servent du coup des pseudos des Pokémon pour un peu écrire toutes les atrocités possibles, donc tu peux les désactiver. L'épidonyl. L'épidonyl. Mais j'aime bien ça, l'épidonyl là. Il me plaît bien ce machin. Je vais écraser sa face. C'est quoi ce truc alors? Engorgement. Lanceur se rengorge, augmente ton attaque. Je garde jamais ces trucs là, moi. Il est tout petit le machin, j'aime bien. Pas la meilleure version de la musique. Côté un peu trompette, bon. Y'a pas une appli de fiche pour donner le nom des viewers? Non. Bah pas avec Nintendo. Non. Les données de l'épidémie ont été ajoutées. Non, l'appli Twitch, ça s'appelle le streamer décide de donner un nom s'il veut à ses Pokémon. Et s'il veut que ce soit un nom de viewer, bah c'est à lui de le faire aussi. c'est ça l'appli Twitch. Non mais non, de toute façon quel enfer. Enfin. Après, ton équipe ressemble à R, quoi. Désolé, hein, dans Cult of the Lamb ça va, mais bon, là, dans Pokémon, soyons sérieux. Pas déconner. Bon, est-ce que je mettrais pas un autre Pokémon en premier, tiens? Faut qu'il pexe un peu, même si elle multipexing, j'imagine, comme avant. Je vais soigner les autres. On va combattre un peu. On n'a pas fait beaucoup de combats, on va tester un peu avec nos autres Pokémon. Puis après on ira avancer un petit peu dans le jeu. Salut. Ah, faut vraiment te coller. Tiens, j'ai mis que... Ok. Baston. Me faire empoisonner par Mew dans une caverne en random. Ah oui, tu fais les... Le randomizer. Randomizer, je me prononce au nom. Je prononce un petit peu à l'arrache. Sauvegarde en cours. Ah oui, ça sauvegarde auto à chaque combat. Pourquoi pas. Plus certaines règles en plus. Ok. En plus, moi, je trouve ça chiant de donner un surnom au Pokémon quand c'est en plus des nouveaux Pokémon qui arrivent, quoi. Ou des Pokémon que tu connais pas. C'est-à-dire que tu oublies tout le temps leur nom.
Donc si tu veux un petit peu optimiser ton équipe, te renseigner sur les Pokémon, bah tu... voilà, tu... tu galères. Ouais, le multi-Ipex, en fait, ça sert... Est-ce que le premier Ipex autant que les autres ou pas? Ou... Enfin, il... voilà, les autres Ipex autant que le premier ou pas? Faut que je regarde. Je spam A à chaque fois. J'aime bien cette araignée, en vrai. J'aime bien son style. Qui s'emboule, hein. Ah, un petit crit. Non. Ah. La vitesse baisse beaucoup. Et du coup, elle attaque deux fois. Ah, deux fois. Une fois avant moi. 12, 7, 4, 6, 6. Ok. Selon leur niveau, mais après les autres du même niveau, ils avaient la moitié quoi. Pourquoi il y en a qui brillent? Regardez, il brille celui-là là-haut. On va aller voir. Mais je peux pas monter, je crois. J'avais essayé, j'ai pas réussi. Ah si, par là. Tout simplement. Regardez, celui-là il brillait. Hein, c'est juste qu'il dormait, c'est ça? Au loin, il avait l'air de briller. Quel stat spécial, toi? Et du coup, t'as fait Temtem, Bibok? Quoi qui t'intéresse? Qui randomise et modifie ton jeu le plus possible? T'as testé un petit peu le concurrent ou pas du tout? Non, on me l'a recommandé. Ouais, ouais. Il a l'air vraiment sympa. Moi, je savais que j'allais être dans la hype Pokémon parce que, voilà, justement, quand un jeu Pokémon sort, on est un peu baigné dedans si on est un peu fan de l'univers. Mais c'est vrai que celui-là m'intéresse pas mal. Et apparemment... bah non, 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 je me suis renseigné dessus. J'ai regardé des streams et tout. Et c'est un peu mon côté finesse qui a fait que pour le moment je l'ai pas fait, c'est en gros bah, le fait d'avoir à réapprendre un petit peu un univers avec des nouveaux types, des sortes de on va dire un peu plus complexes aussi, un peu plus difficiles et tout. C'est juste par flemme que pour le moment je m'y suis pas mise, mais je pense que je le ferai un de ces quatre fois. Mais du coup je me demandais... On va tester un petit samboule, on va tester ses attaques. Le granivole, il est que plante ou il est vol aussi? Bah, j'imagine qu'il est vol aussi. Je vais faire sécrétion. Comme ça, j'attaquerai un peu avant. On serait ensemble à la découverte de Temtem vu que c'est du multi. Bof. Ça, moi, c'est le genre de jeu... Je préfère découvrir à mon rythme, on va dire. Je préfère me dire après le petit chat, mais oui. Ah, feuille de granivole. Je vais un petit peu les soigner. On passe un tout petit peu, comme ça on teste un petit peu les attaques de tout le monde, voilà. Je prends un peu mon temps, là je suis bien dans cette petite plaine. On va avancer, hein, je vous le garantis, c'est juste que bah, je profite de ce petit moment. C'est les moments cool quand tu débutes et que tu commences à essayer de développer tes Pokémon, même si bon, ceux-là je pense pas, je vais les garder pour la plupart de ceux que j'ai capturés. Mais bon, de toute façon, il faudra les faire level up un jour, donc... je vais peut-être tester du coup les attaques de l'autre machin là. Niveau 4. Je vais peut-être attendre que ce soit niveau 5 et je vais après jouer avec l'autre petite boule qui ressemble au chien de Mario.
Bah contre le cochon peut-être. Affronter un cochon. Petit cochon. Esquive son évolution est pas ouf au petit chat. Bon aussi, elle doit être très bien. Bon après bon. En général les starters sont quand même un peu gothi quoi, donc bon. Bon ça veut rien dire gothi mais dans ce contexte là mais. En fait, on va faire charge, on va voir. Moi je suis sûr qu'il est bien. Mais je me suis pas spoilé les évolutions. Mon copain il a regardé. Il a vu le canard, il a fait. J'ai fait non mais c'est pas grave, je prends. Je pense que déjà Gourmelet il doit pas être très rapide. C'est peut-être pas nécessaire de faire ce que j'ai fait. Donc je tue maintenant. Oui. Il faut que je fasse Pex encore un petit peu pour être 5, dis donc. Fais-moi des trucs. On va voir araignée contre araignée, même si ce sera peut-être pas le truc le plus passionnant. Et j'aime bien sa tronche. En vrai, je l'aime bien, moi. Franchement, j'aime beaucoup. Qui s'emboule. Son nom. Ce nom, quoi. Ah, c'est pas moi qui commence. Ça va pas être un combat passionnant. Il fait pareil que moi. Ah, mais j'ai évité l'attaque, ça c'est cool. Mais arrête! Toujours level 4, mais ça va pas ça, hein. Je veux que tu sois level 5, avant de changer. On va refaire avec du granivole, puisque ça s'était bien passé. Ah bah je peux tester contre lui. C'est le tout petit machin. J'ai un mec qui évolue en un truc immense. Lipidouigne. On va voir ce que ça lui fait charge déjà. Ah, c'est Gigamon. Ça va pas être fou, hein. Ah, mais il a les mêmes attaques que moi! Ah, mais est-ce que ce serait pas... la larve genre d'avant? Non, ce serait bizarre. Ah, mais c'est Pidoni qui commence, ça va pas du tout! Je sais pas combien je lui fais, mais bon. On est obligé de changer. Contre Epidonie. Faut peut-être que je vois si les textes sont déjà en rapide, mais je pense que oui. Bon, on est sur du Pokémon insecte un peu chiant.
Non mais tu s'en boules, il met trop de temps à Apex en fait. Oh Volvi, c'est qui a Volvi lui? Ah non, ça doit être Granivol. Bon. On verra plus tard pour l'araignée, hein. J'arrive pas à la faire Pex. Hein. Quand même. Quand même. Ah non, je voulais pas... Zut. Régulièrement d'après récupérer le jeu pouvait crash. Bah en fait ça sauvegarde automatiquement après chaque combat, je sais pas si t'as vu en haut à droite ou à gauche, je sais. Je te montrerai. La petite sécrétion. Ouais ouais on va voir ça. Je sais plus où c'est exactement, mais c'est en haut de l'écran. Je vais vous montrer. Peut-être que c'est derrière le symbole Pokémon violette. En fait, j'aime bien la musique. Elle m'a pas encore lassé. T'es activé automatiquement sa photo? Tout à fait. En fait, elle est liée donc. Après, tu peux choisir. En général, les sa photos elles sont activées automatiquement et tu peux choisir de désactiver. Ce que je ne fais jamais, hein. Je gère toujours moi les sa photos, ça me va très bien. Toujours pas niveau 5, mais j'y pépé! Oh, j'en ai pris un trop bas level. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit ça sauvegarde tout seul après chaque combat. Je pensais pas que la save auto c'était aussi régulièrement. Mais tant mieux, c'est très bien. Ça me va, hein, je veux pas me plaindre qu'il y ait trop de sauvegarde. C'est généralement une bonne nouvelle. Je voudrais affronter un Granivol. Il s'en sortait bien, mon machin contre Granivol. Mais sinon, on va affronter Petit Cochon. Une fois j'ai un objectif nul, je veux que ma tisse en boule soit niveau 5. Non, il me fait trop mal. Tout va bien alors, ouais. C'est vrai qu'avec ça, normalement, à moins que... Ah, à moins que la sauvegarde auto ait des soucis, ça devrait le faire. Oh, il va m'éclater la tronche. Regardez, ça dégoûte! Elle est trop faible, mon araignée! Elle est trop faible! Non, mais lui aussi, il va se faire éclater. Oh, bon, je le sens. Oh! Regardez. J'aurais dû mettre mon Granivol pour tester Volvi aussi. Chaque fois je cherche YX, vu que c'est inversé. Alors que c'était cap psychique. Mais chou jamais. On va tester. Enfin quoi! Merci Tissan Boule! Sur Vincect. Ah, enfin une nouvelle attaque. T'aimes bien Eminem? Ce que j'aime bien, c'est que tes questions sont toujours ultra en rapport avec ce qu'on fait, quoi. Oh là là. J'aime bien les versions médiévales d'Eminem. Et Dr. Dre aussi. Je vous conseille de chercher ça sur YouTube. Ça défonce. C'est un Pokémon? J'avoue que j'aurais dû poser la question. Je sais pas c'est quel type. Oh. Bah kick qui soigne la confusion. Les bas aussi j'utilise assez peu. Mais parce que j'ai l'impression que finalement c'est plus chiant à obtenir dans la plupart des jeux que des potions équivalentes. Qu'est-ce que cette petite merde là? Ah bah let's go, on va choper la petite merde là. Rappel. J'ai qui en prompt? J'ai ma tisse en boule un peu nulle. On va mettre Granivol. Même si bon, en fait on va mettre...
On va mettre notre petit caneton. Oh, il s'appelle Pomme. Il est mignon, Pomme, regardez ça. J'aime bien. Bon, après, c'est peut-être pas malin, parce que c'est peut-être bien un petit feu, vu la tronche. Ouais. On verra. Trempette. Mais Granival, à l'attaque Trempette, mais... Je savais pas du tout. Qui veut le vieux, on va voir. Ça va, ça veut dire que je suis pas assez... Granivole est juste insecte... Plante. Et sinon, ce serait plus efficace. J'ai un poil de pomme. Allez, déplaçons mon petit caneton. Ah merde! J'ai vu. Ça, j'avais dit regarder. C'est là-haut, je sais plus si ça lui fait quelque chose, ça. Quand même. Non, je vais faire gaffe où je marche quand même. L'épidonie qui apprend pas à sport, c'est bien ça. Ouais, mince. Par où que je vais-je? Ici, du coup, il y avait rien d'autre à pécho. Par un petit Pokémon. J'ai essayé de secouer des arbres. J'ai jamais su. Ça marche dans Animal Crossing, j'essaye. Cool de trouver des rappels comme ça. Et ça va être une autre baie. Alors tous les petits trucs qui brillent comme ça, c'est des baies, c'est ça? Ça nous gèle lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. J'y passe. Attends, je voulais aller visiter. Ah, c'est alors, tu t'en sors? Tu captures plein de Pokémon? On va voir combien t'en as. Oh. Gros. Qu'est-ce que c'était? Gros. J'ai jamais entendu un hurlement pareil. Si ça se trouve, c'est celui d'un Pokémon puissant. Ou un mec qui s'est cogné pied, l'orteil surtout, contre un pied de table. Là, c'est à l'envers d'où ça vient. Par contre, fais gaffe, hein. Faire une grotte super dangereuse dans le coin, viens aller. Hein. Et attention à ne pas tomber de la falaise. Les motisparts sont équipés d'un système de sécurité anti-chute, mais quand même. Arrêtez de justifier le... Tiens, voilà. Arrêtez d'essayer de justifier le mur invisible. Ah, je pensais qu'elle allait me soigner pour que j'économise. Mais non. Non mais je peux avoir autre chose que des cinématiques. Ah oui, déjà. Oh, on sait pas qu'on l'aura si tôt, hein. Les petits malos. Murf, murf. Oui, sur le gros orteil de table. Ouais, contre le pied de table, je suis d'accord. Non, ici, ça me semblait plus logique. Los, hein. Moi, c'est Lox.
Je vais avoir direct ma moto du coup. Bon, parce que ça va être ça la seule utilité. Hein. Go, wow. Un Pokémon mystérieux est effondré à bout de force. Et si vous lui donniez quelque chose pour le remettre sur pied? Désolé, j'avais la hard tune d'activer. Un sandwich. Un sandwich de maman. Ah mais il lui faut de l'huile de vidange là, ou de l'essence, mais pas un sandwich. Peut-être la première coup du part. Coup du lapin, fin de la partie, formation du désert. Agrui. Agrui. Bon, au moins, il est quand même plus stylé que l'autre. C'est plus un robot qu'un Pokémon. Bah ouais, je suis d'accord. Tu vois très bien les pièces qui ont été ajoutées une par une. C'est un écran, ses yeux. Oh, le sandwich quoi. Ah et c'est le truc ultime. Arrêtez les gros plans, oui. Arrêtez plein de plans. Moi c'est un Pokéball. J'ai pas vu où c'est ma Pokéball. Ah, il m'appelle. Avant je visite la plage. Voilà, c'est fait, on y va. Arrêtez les pixels aussi. Arrêtez tout. Merci de m'autoriser à courir. Ah, là je peux pas. Ah, quand il est trop proche de moi, je peux pas. Et respect pour le légendaire, je cours pas à côté. Et... un petit écho, tiens. Et où l'autre? Et où? Ah, t'es là! Ça va, un cassé? Tant mieux, tu m'as fait une décès peur. C'est un peu trop d'écho. Ah, c'est pas mal. Si j'avais été blessée juste à cause de ma curiosité, si t'avais été blessée juste à cause de ma curiosité, je me serais pas pardonné. Hein. Enfin, c'est pas grave. Maintenant, il faut qu'on sorte de là. D'abord, essaye de remonter. Ouf, c'est simple. Quand tu seras assez proche, je tirerai de là avec une capacité Pokémon. Ah ouais, elle le voit pas. C'est quoi ce Pokémon qui avance devant toi? Il te regarde, on dirait qu'il veut que tu suives. Oh bah t'es pas obligé de tout me décrire, j'ai remarqué en fait, je suis en face de lui. Oh là là, mais c'est incroyable! Il a l'air aussi fort que mes Pokémon, va m'armer encore plus fort. Ah, oh, j'adore! Putain, j'ai oublié le nom, c'est des... Mangloutons? Oh, je sais plus. Mais j'adore leur côté vénère tout le temps.
Ouais, moins glouton. Je te l'ai à haut, on va voir. Bah il est niveau 2 aussi. Ah mais non, j'aurais dû le capturer le manglouton. Mais enfin, j'aurais dû le capturer, pourquoi je l'ai buté comme ça? Sans raison. Désolé manglouton, je vais en capturer un autre. Viens toi. Bon, si je fais pisser là-haut, ça le tue pas alors. Ouais. Tu pêches pas? Mais si, j'oublie. Non, faut que j'arrête, c'est X. Moi j'aime bien en plus son côté Citlin-Kadia là. Je me sens en empathie. Je suis sombre moi, dis donc. Ah mais oui, parce qu'il faisait jour quand j'ai lancé. Alors du coup j'ai pas mis trop... Oh c'est chiant, je sais pas où mettre ma cam. J'ai pas mis trop de lumière. Voilà, je vais remettre un touchouille. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et constamment à la recherche de nourriture. Bonjour amphibie. Oh il est pas haut hein. C'est pas une loutre. C'est pas des rongeurs les loutres, mais voilà. Oh. Il va se barrer s'il m'approche, je suis sur lui. Mon côté sombre. Un petit peu de ça. Ah zut. Bah oui, évidemment que c'est super fidèle. Évidemment. Oh mon glouton qui pex. C'est pas grave, on va en choper un autre. Je fouille un petit peu quand même les recoins. On peut pas dire qu'il y a beaucoup de recoins et il y a beaucoup de murs. Ah, murs invisibles, d'accord. Je vais pas y aller alors. Y'a quoi ici? Bon, je pense qu'en fait, vu que c'est un événement, le jeu m'empêche d'aller dans certains trucs alors que je pourrais plus tard. Non, je voulais pas des os. Je voulais voir le... Oh, mais je peux pas aller chercher des trucs qui brillent et tout. Ah, il les fait fuir. Attends, il y avait un truc qui brillait là-bas, s'il te plaît, laisse-moi le prendre. Il y a des malasses. Ah, c'est violent! Heureusement, t'as ton garde du corps avec toi, fais une gaffe, hein. Bon, allez, j'arrête de me dissiper, je le suis. J'ai pas la ref, Vendel. Désolée. Il a pu faire ici, quelle puissance, c'était quoi, une capacité. J'ai mon temps avoir la même. Non, j'ai pas la ref, désolé. Fais gaffe, quelque chose approche hein. Attention, derrière toi, c'est affreux hein. Un démolos. C'est Big Lebowski ? J'ai vu deux fois, mais j'ai pas la ref pour autant. Après, je connais pas toutes les répliques par cœur, hein. Je connais les plus cultes, mais voilà. Bref. Utilise ma chouille. Oui, d'accord. Hein ? Oh, il a l'air trop vénère.
c'est pas incroyable comme sauvetage non plus, dans le sens où, bon, ça aurait été plus stylé que ce soit plus, ce soit des Pokémon plus vénères. Même si, bon, là, ils ont été un petit peu vénères quand même, mais bon. J'arrive pas à croire que tu sens sa sortie, t'étais à deux doigts d'y passer. Hein. Merci de m'avoir aidé, meuf. Hein. Non, je sais que c'est pas ça que tu penses, mais c'est... What? Qu'est-ce qu'il a? Mais il est chelou, en cuite, hein. Il est décuve un peu. Je crois qu'il a utilisé toute sa force et que ça a épuisé. D'ailleurs, c'est quoi ce Pokémon? Il ressemble à un motorizard. Je n'ai jamais vu comme ça. Un motorizard. Déjà, ce nom, j'aime pas. S'il a changé de forme, tu crois que c'est normal? Qui sait? Aucune idée. Ah, putain, c'est rien. On n'est pas très avancé. Je commence mes études. J'ai même pas eu mon premier jour. On doit aller à l'école. Je te suis fait signaler. Putain, t'es saine et sauf, c'est tout ce qui compte. Hein. Au fait, tu t'es super bien battu tout à l'heure. Tu faisais qu'un avec ce mystérieux Pokémon quand vous avez affronté le Démolos. J'ai rien fait, moi, en fait. J'ai voulu essayer de l'attaquer et le jeu il m'a dit non! Laisse-moi faire. Tu as donné aucune instruction? Exactement. C'est pas encore tout à fait ton Pokémon? Non, mais attends, c'est bon, quoi. Obligé de m'approprier tous les êtres vivants que je croise, hein. Regarde, il a l'air d'aller mieux, c'est rassurant. Tu crois que c'est son cri qu'on a entendu tout à l'heure? Roi. N'empêche, plus je regarde, plus je trouve fascinant ce Pokémon. Il y a plein de mystères. Des mystères mystérieux. Quand il aura rejoint ton équipe, j'espère que tu me laisseras affronter. T'es éclaté, meuf. Tu m'aurais bien échangé nos numéros. Ça me servirait certainement plus tard. Et puis ton Insta, appelle-moi ton Insta. Ouais, en fait, quand t'as dit échanger les numéros, ça me paraît... Enfin, je comprenais pas. Sur le coup, c'était numéro de quoi. Cette CT aussi, elle sera utile contre les adversaires super puissants. Météore. Ah oui, d'accord. J'utilise les CT aussi, je les ai rarement équipés sur des Pokémon. On voit des rayons d'étoiles qui touchent toujours la cible. Même si je l'ai fait, mais c'est voilà, c'est vraiment à toute fin quand j'ai mon équipe et que je veux la faire parfaitement. Réfléchis bien avant d'utiliser car elle disparaît une fois que tu t'en seras servi. En tout cas, après toutes ces émotions, on a bien mérité de faire une pause, hein. Ah, on nous reposait en haut du phare. Mais on devait aller à l'école, meuf. Mais toi, tu fais quoi? D'accord. Bon, bah, je le garde là, hein, on verra plus tard. Les trucs à looter! Voilà. J'aimais pas voir des trucs qui brillent sans pouvoir les prendre. Oui, je sais que c'est une quête là-bas. On a combien? On a 1h40 de VOD. Je vais arrêter là la première et puis je vais en faire une deuxième tout de suite. Bisous!